Et salut à tous les amis, c'est PFR FootFR, on se retrouve aujourd'hui pour la suite j'irai bien plus vite de l'aventure Tetsuya Auditore. Et là, on est dans la dernière séquence du jeu. Allez! Waouh, waouh, waouh! Oh, le pauvre cheval! D'arbre. Allez. Boum. 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 On enchaîne. Boum. 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 Et boum. Nickel. C'était magnifique. César Borgia comanda a los navarros. Wow, 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 wow. Là-bas, abattez ce chien. Quoi? Où est-ce qu'il est? Je le vois. Il cache son identité. Je suis avec toi, mon frère. Force! Il va finir. Allez, très bien. Si tu fais ça, ici,
Aïe aïe aïe. Boum. Je voulais vous dire, vous êtes un homme étonnant, d'une grande noblesse, et je le pense vraiment. Je vais l'avoir. Je ferai ce que vous voulez. Je le vois. Allez. Tu mourras. Arrêtez-le. Habéis traído la desgracia por vuestros pecados. Así es como el Señor os castiga. Porque nuestro Dios es justo y trae justicia. Gloria al Señor. Gracias Dios por enseñarnos a ser humildes. Por ver nuestro castigo como una llamada a la espiritualidad. ¡Corre! El Señor ¡corre! Nos... Y el Señor nos lo quita. ¡Vamos a desapegar! Y la verdad está escrita. Amén. Escalader la tour de siège. Oui, bien sûr. Ah, mais il y a une échelle. Allez. Hop. Wow. Boum. Allez. Par là on peut pas. Par là alors. Cesare, tu es prisonnier des murs. Tu ne peux pas t'échapper. Alors viens, Ezio. Oh.
Wow. Je suis invincible. Comme ça. La fortune est de mon côté. Il n'y a jamais eu meilleur combattant que moi. En arrière, je ne goûterai jamais à la défaite. Jamais un auditore n'aura raison de moi. Rome, l'Italie, l'Espagne. Allez. Allez, t'es bloqué là. Une autre partie de ton armure. Boum. Le passeron. Toi, tu te mets à terre. Voilà. Tu me laisses m'occuper de tes amis. Boum. Et boum. Allez. Boum. Là, reste à terre. T'es bloqué. Allez, boum, boum, boum. Oh, ça y est. Le trône m'était promis. Désirer ne suffit pas. Il faut se montrer digne. Qu'est-ce que tu en sais ? Gouverner le peuple, c'est d'abord agir pour son bien. Je conduirai l'humanité dans une ère nouvelle. Puisse-t-elle oublier ton nom pour l'éternité? Requiescat in pace. Tu ne peux pas me tuer. Aucun homme en ce monde n'en est capable. Alors je te laisse entre les mains du destin. Wow. Le trône m'était promis. Qu'est-ce que tu en sais? Je conduirai l'humanité dans une ère nouvelle. Tu ne peux pas me tuer. Aucun homme en ce monde n'en est capable.
le Colisée. Voilà. Le voilà. Le Colisée. Allons-y. Nous y serons avant l'aube. Attendez, cette porte avait l'air bizarre. Je crois pas avoir vu de poignée. Je vais lancer une analyse. Ah, génial. Il va falloir qu'on trouve une sorte de clé futuriste. C'est étrange, on dirait qu'elle s'ouvre avec une sorte de commande vocale. J'avais encore jamais vu ça. Alors il nous faut un mot de passe? Et cette sifflée, la cinquième de Beethoven. Saloperie de réseau européen. Oh, on peut plus accéder aux souvenirs d'Ezio pour trouver le mot de passe. Il faut qu'on trouve ce mot de passe. Ezio le connaissait, lui. Pas de chance, il est mort. Je n'y crois pas, on est coincé ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je sors, c'est ça? Ah mais non, je peux pas sortir. Ça a peut-être un rapport avec ça. Le symbole, c'est celui de la porte du sanctuaire. 1419, 1420, 1421. Et si c'était pas des dates? 1419, 1420. Dieu tout-puissant. Quoi? C'est ça. Vas-y, accouche! Du calme, oui, j'y viens! C'est le tétragramme, les 72 noms de Dieu. Vous voyez? Ils sont contenus dans trois versets, Exode 19 à Exode 21. Et il y a mieux que ça, si on inscrit les quatre lettres hébraïques du nom de Dieu dans un triangle équilatéral, la somme de leurs valeurs numériques donne toujours le même nombre, 72. Attends, t'en es sûr à 100%? Si je n'en étais pas sûr, je garderais ça pour moi, Rebecca. Mais attendez, la cerise sur le gâteau! La construction du Colisée a débuté en l'an 72. On l'a, notre mot de passe. Sean, ramène le camion. Ah ah. Je suis déjà venu. Je sais. Allons-y. Et nous alors? Vous risquez d'avoir besoin d'un historien là-dedans. Sean a raison. Ce tunnel va nous conduire sous le Capitole. Je vais les aider à trouver une autre entrée. Sois prudent, Desmond. Je conduis. Ah, oui, c'est ça. Tu rêves. Allez, hop. Lucie, je continue d'avancer vers l'entrée. C'est compris. Si jamais tu croises des gladiateurs, un bon conseil, sauve-toi. Merci du conseil. L'autre côté, hop là.
C'est incroyable, dire que j'aurai bientôt la pomme. Tu attends ça depuis si longtemps. Tu l'as mérité. Je me demande ce que ça va changer. Ça nous permettra vraiment de prendre l'avantage? Ça, j'en suis sûr. C'est pensé. Ok, hop. Allez, Tesla. Et qu'est-ce qu'on va trouver? La carte qui nous mènera au temple. Et c'est la pomme qui va nous faire ce cadeau. Hein, c'est ça. Moi, je ne crois plus au Père Noël. Peut-être qu'on aura de la chance cette fois. Je sais pas du tout si je suis dans la bonne direction. C'est un vrai labyrinthe. Autrefois, l'hypogée abritait les cages des gladiateurs et les machines qui les amenaient à la surface. Ce qui veut dire qu'à l'origine, il y avait une arène juste au-dessus de ta tête. C'est bon à savoir. Apparemment, oui, on est dans la bonne direction. Il y a un truc qui me chiffonne. On est le 10 octobre aujourd'hui. Et ? Encore combien de jours avant le lancement du satellite des Templiers ? Je crois bien que je connais la réponse. 72. Important. On récupère la pomme et on s'en va. C'est le code de la porte. Décidément, quelqu'un nous facilite la tâche. Ouais, c'est clair. Boum! Allez, on se rapproche, je sens. Je suis peut-être allé un peu trop vite. Parfait, cet endroit m'est familier. Ça y est, on a ouvert la porte. Je fais une petite pause pour faire une petite coupure parce que j'ai peur de dépasser le temps d'enregistrement. Qui en sont dignes puissent le connaître, qu'ils y soient guidés, que leur chemin les conduise ici, que cette découverte sauve le monde que nous leur laissons. Qui êtes-vous?
se passe, Desmond ? Rien. Je crois que c'était Junon. Ah non. Hop, on reprend. Le truc c'est que on ne voit absolument rien. Là, ok. Faut analyser. Là par exemple, je pense qu'on l'atteint. Nos vérités étaient confiées à des parchemins, à la pierre, à la mémoire des hommes. Mais ces choses-là sont éphémères, purifiées par le feu, purifiées par la famine, purifiées par le déluge. Le monde a retrouvé son innocence. Son innocence et son ignorance. Hop. Voilà. Hop. J'arrive. Bah c'est pas trop tôt. Quel est cet endroit ? À Santa Maria da Racoeli. Vous voyez ces colonnes dans les allées ? Elles viennent de ruines romaines. D'après ce que j'ai lu, cette église aurait été construite sur l'ancien temple de Junon. Sympa le plafond. Tu aimes le plafond. On ne s'ennuie jamais quand on voyage avec toi. Aïe aïe aïe. Il y a quelque chose là-haut. Bon bah, on n'a plus qu'à rester ici. Et puis, se mettre à prier.
Ah non, je crois qu'en fait, il fallait que je parte de là-haut. Ok, j'ai compris. J'ai vu. Nous ne nous avons pas dotés de la sagesse. Même imparfait, il représente notre dernier espoir. Vous l'êtes. Vous seul pouvez comprendre. Non. Et vous avez brisé nos outils. Vous en avez fait des armes. Nous avons détruit tout ce que nous pouvions. Le reste, nous l'avons enfoui. Allez. Allez, tourne. Encore. Voilà. C'est ici. Tiens, tiens. Ça, c'était pas sur les plans. Desmond, reviens ici. J'arrive. Hop là. Quoi que ce soit, ce truc ne sert à rien. C'est une impasse. Je ne sais pas si... Un ascenseur. Si tu as l'intention de nous tuer, il va falloir te montrer un peu plus efficace. On est là. Maintenant, le mot de passe. J'espère que Sean ne s'est pas planté. Je ne me plante jamais. Ah ouais? Et cette impasse? Quelle impasse? Je ne me rappelle pas. Comprend notre langue? Allez, vas-y! Ok. 72. Ça marche. Après toi. Faut vraiment que vous voyez ça. Apparemment, la pomme est au centre. On va enfin savoir où sont les temples. Desmond, c'est plus dur de sortir du mur, ça ressemble à des commandes. Si tu les actionnes toutes, ça alimentera peut-être la plateforme principale. Ou bien ça transformera cette salle en vaisseau spatial et nous partirons loin d'ici. Si je vois réfléchis bien. En 100 ans, vous ne savez rien de nous. Vous avez 5 sens.
Et nous six. Celui dont nous vous avons privé. Pour vous protéger, vous ne saurez jamais. Malgré vos tentatives, vous pouvez voir, sentir, goûter, toucher, entendre. La vérité est hors de portée. Allez, hop, hop, hop. Puis quand le monde fut perdu, nous avons tenté de le renforcer de l'arme aussi. De vous rapprocher de nous. Ah non. Allez. Hop. On a réussi. J'arrive pas à croire qu'on ait enfin réussi. Allez, la pomme est à nous. Où sont-ils, ces temples ? Tu veux que je lui demande ? Essaie de parler par la pensée. T'es sûr d'avoir bien formulé ta demande ? Attendez, je connais ce symbole, c'est le bonnet phrygien. Il représente la liberté. Ça, c'est l'œil de la Providence. On ne les trouve rassemblés qu'à un seul endroit. Ouais. Je ne peux plus bouger. Ton ADN communie avec la pomme. Tu viens de l'activer. Laissez-moi. Au 72e jour avant l'instant suprême de l'éveil, toi, issu de nos entrailles et de celles de nos ennemis, la fin et le commencement, nous te méprisons et t'honorons. L'ultime voyage a commencé. Il en est une qui doit franchir le seuil avec toi, mais elle échappe à notre vue. La croix obscurcit l'horizon. Qu'est-ce que vous faites ? Il est temps d'ouvrir le chemin. Tu ne peux échapper à ta destinée. La balance doit s'équilibrer. Ah.
maintenant. Arrêtez. Tu ne sais presque rien. Nous devons te guider. Cesse de lutter. Non. C'est fini. Le chemin s'ouvre juste devant toi. C'est à toi de la trouver maintenant. Recours au sixième sens. Va, seul. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, les amis. La deuxième partie de Ezio est terminée. Je vous laisse avec ce générique de fin et on se retrouvera pour la suite avec Assassin's Creed Révélation. Allez, merci à tous de m'avoir suivi, les amis. Bye tout le monde. Merde, il est en état de choc. Dans la machine, vite. C'est le seul moyen. Après ce que l'Animus lui a fait ? C'est qui l'expert ici ? Allez ! Non.
Everett's side.